Nous n'avons pas besoin d'un trouble fait. Laisse-nous reposer en paix. Mais mes amis, ce que je viens d'entendre, on aurait dit que vous venez d'une étoile. Croyez-moi. Une étoile? Tu dis vague. Mais qu'est-ce que tu racontes? Surveille plutôt les moutons. Eh bien, dites-nous. Dites-nous ce que vous devez nous apprendre. Eh bien, dites-nous ce que vous devez nous apprendre. N'ayez pas peur, berger. Je viens vous annoncer l'heureuse nouvelle dont vos aïeux longtemps avaient rêvé. Celui que le Seigneur devait vous envoyer vient de naître ce soir dans une pauvre étable sur un tas de paille entre deux animaux. Allez avec Bethléem, car c'est dans ce village que le Dieu de la terre attend votre hommage. Ne perdez pas de temps et apportez avec vous des présents. Et partons, ne faisons pas attendre, rendons-nous vite auprès du nouveau-né. La charité dans nos cœurs doit descendre, un tel bonheur ne soira nous étonner. Et dans le village, on a fait tant de bruit, qu'ils tirent dans l'arrivée, pour les coucous la rendre. À minuit, on vous a crié, avec Bethléem, Jésus est né, parlons sans plus attendre. Oh Marguerite, dépêche-toi un peu. Nous serions les premiers si tu n'étais pas si lente. Mais qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de nous entendre crier, va. Bien honoré. Le bon Dieu, le Seigneur, et que dans sa bonté, il nous fasse retrouver nos jeunes années et la paix dans notre ménage.